CKRL. Cultive tes goûts. Ça va mieux, mon Rénal? Eh, les yeux me brûlent. Les yeux te brûlent. Dis pas ça à ton public, là. C'est pas mon public? Ben, ils veulent pas que ce soit mon public. Ben, voyons donc. Ben, comment ça t'a changé de micro? Je sais pas. J'avais pris le chant devant. Oui, le chant devant, la voix d'Aliel. Le chant devant, la voix d'Aliel. Et là, je sais pas, on dirait que c'est le fait d'avoir placé deux gouttes dans chaque œil, que je me recueille dans un néant de chant et d'arrière-chant. Oh! Et là, où est Rénal? Dans le champ? Dans le champ. Non, lui, il a été rarement dans le champ. Lui. Toujours à l'extérieur. Là. Celui qu'on voit pas, mais qu'on entend gueuler. Oh, monsieur! Oui! Hey, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, ouais, j'ai mis des gouttes, ça brûle. Je sais qu'à la radio, on ne le sent pas. Quoique, entendez-vous les pétillements? Non, de ton cerveau. Non! De mes yeux! J'ai mis des gouttes, ça brûle, les allergies, j'en ai ras-le-bol. C'est rendu... Hey, non, mesdames et messieurs, là, je vais m'insurger. Comme Marcel Hamon le faisait pour les personnes âgées. Moi, c'est pour les gouttes. Non, pas la goutte, mais les gouttes. Ça coûte cher! Faut être millionnaire! 40 douilles! Pour une petite fiole! De quoi perdre le nord? En parlant de perdre le nord, la semaine dernière. Oui, vas-y! Exulte-toi! Oui, je vais mettre. C'est une mise au point. Vas-y. Sur la gueule? Non, sur le micro. OK, mise au point. Oui, c'est très bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur. On dirait que vous faites de la radio? Non. J'espère qu'on vous a pas monté des bobards. Non. Ça va? Non. Ah non, il est tilté. Même les tambourines ne suivent pas. Je suis en décalage avec l'existence. Mes cheveux veulent pousser. Ma langue veut grincer. Peut-être tomber. Mais là, pareil. Je râle bol. Le pire de tout ça, c'est que j'ai le goût d'éternuer. En début d'émission, tout ça, là, dans un marasme complet, dans un néant, dans une anarchie, comme on aime. Alors, la semaine dernière, ben voici, ben on va la raconter. Faites-vous-en pas, vous, là, prenez votre temps. Buvez votre gorgée de salive, merci. Elle est méchante, elle est grosse, elle est grosse. Arrêtez de vous vanter, vous. Non, mais c'est ma gorgée de salive. Oh! Alors, on attend. Igloo. Il était nôtre. Il a bu sa salive comme les autres. Hey, ça, c'est vrai. Hein, y a pas peur. Hey! Combien de litres? 350 millilitres de salive d'une seule gare. Oh! C'est bon! Regarde-moi ça, il pète la broue, c'est beau, merveilleux. Oh, comme tous les Québécois, on vous pète. Bon, de belles broues. Bon. Alors, la semaine dernière, public en délire, mon public. Comment ça, c'est ton public? Ben, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'ai un auditeur qui m'écoute. Oui. J'ai un auditeur qui voudrait m'écouter. Oui. Et j'ai un auditeur qui ne sait pas que je fais une émission et qu'il devrait m'écouter. Oh, ça se complique. Pas du tout. Et pour tous les autres qui passent à côté de cette émission exceptionnelle du 3. Du 3. Est-ce que c'est le 3? Le 3 fait le noir. Non, fait le gland, fait le bois. Fait le noir, fait le moi. Fait le mort. Tranquille, fais le mort. Tranquille, les pattes en l'air. Rien ne va plus. Attention, on va regarder tranquillement. Le 2 novembre.
C'est une belle journée. C'est un beau mois. On aime ça. Mais là, la semaine dernière, on avait perdu notre magnéto. On pouvait pas faire des voix hors champ. Et nous l'avons trouvé. Comment ça va, Magnéto? Ça va bien? Oui. Hey, Magnéto! Hey, je t'aime! Oui! Oui, je t'aime, Magnéto! T'étais où? T'étais parti où? Oui! Ben, il était parti dans le oui. Hey, on t'a cherché la semaine dernière, hein? Oui! Ben oui, même à l'émission de Claude Moirier. Nous avons reçu un appel étrange. C'était très tard là, dans notre boîte vocale. Là, 3h30 du matin, c'est très tard, ça. On n'admettra plus ça, là. Mais il nous a dit que c'était un animateur de radio. On ne connaissait pas. Rénal Mal, Gamy. C'est pas une étoile, l'étoile Gamy. Ah non, l'étoile Gagné. Gagné, Rénal Gagné. Enfin, on a eu ce message-là, c'est en boîte vocale. On ne peut pas vous la diffuser parce qu'on a perdu l'animatrice qui devait faire jouer la boîte, en fait, l'accessoiriste. Yes, il faut la monter, puis on n'a pas pu. Et puis c'était, il cherchait son magnéto. Et là, à Montréal, on l'a cherché partout. À Trois-Rivières, on l'a cherché partout. À Chibougamau, on l'a cherché partout. Et on l'a trouvé à Québec. C'est normal, il m'a dit que l'émission se passait à Québec. Elle gisait, parce que c'est un magnéto. Il gisait, ben moi j'avais un peu de difficulté avec mon français, moi. Et c'est Cold Morning. J'ai mon magnéto qui ne veut pas mourir et c'est la raison de ma vie. Et depuis que j'ai le jour où tu vas sourire, j'ai le magnéto qui ne veut pas mourir. Oui! T'es heureux, toi, hein? Oui! Oh. Hey, t'as sorti de Woodstock avec toutes tes cellules, toi? Oui! Oh. La pile à terre, mais toutes tes cellules? Oui! Oh. T'as-tu vu ça, toi? Comment il s'appelait, donc? Jimmy. Il gémissait, lui, avant de jouer. Tant, faisait. Oh! On se demandait s'il passait la tronçonneuse batteuse sur sa tête. Jimmy Bricks, tu l'as déjà entendu, Jimmy Bricks au Woodstock? Oui! Ah! Tu t'en souviens de ça, de ce passage-là? Oui! Ah! Oh. Puis Joe Barber, hein? Ah! Oh. On dirait qu'il était élastique. Il s'est tiré le corps de tous les ans. Oui! Ah, oh, hein, oui! Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés. Et alors donc, nous l'avons retrouvé. Hein? Merci à notre détective privé qui l'a ramassé. Ramassé, ça ne te dérange pas si je dis ça? Oui. Oui, OK, excuse-moi. On t'a cueilli, hein? C'est comme ça, cueilli. Oui. Oui, on t'a cueilli sur le sol. Oui. Tu roulais partout, hein? T'étais comme heureux. Mais ça semblait bizarre. Étrange. En même temps, l'émission que tu avec l'accessoire dans lequel tu. Parce que tu es un accessoire dans cette émission-là, là. Errance Rénale. Oui. Ben oui. Tu étais quand même déjà un peu atteint, là. Oui. Ah. Là, j'espère que tu ne vas pas t'éteindre, toi, là. Oui. Oui, bon, OK, parfait. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques. Qui? Monsieur les patrons catholiques. Oh. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. J'espère que les gens ne savent pas que tu étais à Errance Rénaldienne. Non, ils ne savent pas. On ne leur a pas dit encore, là. Ils sont encore. Ils cherchent, ils s'intonisent. Ils ont les doigts sclérosés. C'est quoi ça? Ça, c'est des doigts sclérosés. Eh, monsieur, t'es un bruiteur? Non, je suis un émetteur de bruit. Oh! À quoi bon faire cette émission si on ne sait pas la même chose? C'est synonyme. Synonyme. Synonyme? On va demander à synonyme, c'est vrai. Synonyme? Non. Synonyme, t'es là, ma belle synonyme? Non. Non, OK. Si t'es pas là, ma synonyme, tu parles pas, là, hein? Allô, synonyme? Non, OK. Comment ça, t'es pas dans le temps voulu, ma synonyme, parce que t'as pas le tempo digital? Non. OK. Non, on veut te taquiner parce qu'on sait que t'es une rigolote. Non. Non, OK. Synonyme? Non. Bon, c'est pas elle.
On va raccrocher. Raccroche, raccroche, raccroche. C'est des frais virés, c'est des frais. On n'a pas d'argent, on n'a plus de modèle. Ah, bon, ça coûte cher, ça, là. On ne sait même pas d'où ça vient. Êtes-vous de Montréal? Eh non. De Belgique? Eh non. Non, elle n'a pas l'accent. De Suisse? Eh non. Quoi qu'en Suisse, il y a plein de monde. Hein. On ne sait pas. Hein. Êtes-vous dans une banque suisse? Eh non. OK. Êtes-vous dans la ville de Québec? Non. Bon, OK. Eh bien, nulle part. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Aujourd'hui, le vendredi 2 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de voyage. Non, c'est Carnet de campagne. Oui, c'est le film Carnet de voyage. Je voulais juste faire peur à Philippe. Il disait, le con! Philippe, c'est une blague. Le con! Philippe, voyons d'or! Ça, on peut pas blaguer, hein? On peut pas blaguer? Un petit peu. Un petit peu à peine. Oui, un rictus. Ah oui, le rictus. Non, c'est pas bon, OK. Faut être sérieux dans la vie. Nous rencontrons un homme du service public. Un peu comme Radio-Canada, mais de l'autre côté. De l'autre côté de la piscine. Ben, la grosse piscine. La grosse piscine, on va la nommer Rita Bibelot. Non, j'ai pas dit ça, toi! J'ai dit la piscine en parlant du Saint-Laurent. Ah, Gisèle Saint-Laurent. Mais non, le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. Tu connais pas ça, le fleuve Saint-Laurent? Ben, Saint-Laurent, non, ça va bien. Bon, vas-y, prends ton temps. Ah, ça va bien. Alors, l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à Radio France en 1985. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive à France Inter en 1996. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet humaniste des plus chaleureux. Un voyage chargé pour cette nuit automnale? Oui. Faut-il s'arrêter? Oui, monsieur, allez-y. Gênez-vous pas. On s'arrête ici? Ben, pas vraiment, là. On va faire écouter un petit peu de musique à monsieur, puis à madame, puis à mademoiselle, puis pas aux enfants. À cette heure-là, les enfants font dodo. Ben, c'est, oui, effectivement. Sinon, c'est pas des bons parents. Alors, les bons parents, n'écoute pas Errance Rénaldienne. Ça va mieux, mon Rénal? Hey, les yeux me brûlent. Hey, les yeux te brûlent. Dis pas ça à ton public, là. C'est pas mon public? Ben, ils veulent pas que ce soit mon public. Ben, voyons donc. Ben, comment ça, t'as changé de micro? Je sais pas. J'avais pris le chant devant. Oui, le chant devant, la voix d'Aliel, le chant devant, la voix d'Aliel. Et là, je sais pas, on dirait que c'est le fait d'avoir placé deux gouttes dans chaque œil, que je me recueille dans un néant de chant. Et d'arrière-champ. Oh! Et là, où est Rénal? Ah, dans le champ? Dans le champ. Ouais, non, lui, il a été rarement dans le champ. Lui. Toujours à l'extérieur. Là. Celui qu'on voit pas, mais qu'on entend gueuler. Oh, monsieur! Oui! Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, où j'ai mis des gouttes, ça brûle. Je sais qu'à la radio, on ne le sent pas. Quoique, entendez-vous les pétillements? Non, de ton cerveau. Non! Milieu! J'ai mis des gouttes, ça brûle, les allergies, j'en ai ras-le-bol. C'est rendu. Hey, non, mesdames et messieurs, là, je vais m'insurger. Comme Marcel Hamon le faisait pour les personnes âgées. Mais moi, c'est pour les gouttes. Non, pas la goutte, mais les gouttes. Ça coûte cher! Faut être millionnaire! 40 douilles! Pour une petite fiole! De quoi perdre le Nord? En parlant de perdre le Nord, la semaine dernière. Oui, vas-y, exulte-toi. Oui, je vais mettre. C'est une mise au point. Vas-y. Sur la gueule? Non, sur le micro. OK, mise au point. Oui, c'est très bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur. On dirait que vous faites de la radio. Non.
J'espère qu'on vous a pas monté des bobards. Ça va? Oh non, y est-il de thé? Même les tambourines ne suivent pas. Je suis en décalage avec l'existence. Mes cheveux veulent pousser. Ma langue veut grincer. Pas faire ton bail. Mais là, pareil. Je râle le bol. Le pire de tout ça, c'est que j'ai le goût d'éternuer. En début d'émission, tout ça, là, dans un marasme complet, dans un néant, dans une anarchie, comme on aime. Alors, la semaine dernière, ben voici, ben on va la raconter, faites-vous-en pas, vous là, prenez votre temps. Buvez votre gorgée de salive, merci. Elle est méchante, elle est grosse, arrêtez de vous vanter, vous. Non, mais c'est ma gorgée de salive. Oh! Alors, on attend. Igloo. Il était nôtre, il a bu sa salive comme les autres. Hey, ça, c'est un vrai, hein, y a pas peur. Hey! Combien de litres? 350 millilitres de salive d'une seule gare. Oh! C'est bon! Regarde-moi ça, il pète la broue, c'est beau, merveilleux. Oh, comme tous les Québécois, on est là, vous pète. Bon, de belles broues. Bon. Alors, la semaine dernière, public en délire, mon public. Comment ça, c'est ton public? Ben, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'ai un auditeur qui m'écoute. Oui. J'ai un auditeur qui voudrait m'écouter. Oui. Et j'ai un auditeur qui ne sait pas que je fais une émission et qu'il devrait m'écouter. Oh, ça se complique. Pas du tout. Et pour tous les autres qui passent à côté de cette émission exceptionnelle du 3. Du 3. Est-ce que c'est le 3? Le 3 fait le noir. Non, fait le gland, fait le bois. Fait le noir, fait le mois. Fait le mort. Tranquille, les pattes en l'air. Rien ne va plus. Attention, on va regarder tranquillement. Le 2 novembre. C'est une belle journée. C'est un beau mois. On aime ça. Mais là, la semaine dernière, on avait perdu notre magnéto. On ne pouvait pas faire des voix hors champ. Et nous l'avons trouvé. Comment ça va, Magneto? Ça va bien? Oui. Hey, Magneto! Hey, je t'aime! Oui! Oui, je t'aime, Magneto! T'étais où? T'étais parti où? Oui! Ben, il était parti dans le oui. Hey, on t'a cherché la semaine dernière, hein? Oui! Ben oui, même à l'émission de Claude Moirier, nous avons reçu un appel étrange. Un steak, c'était très tard, là, dans notre boîte vocale, là. 3h30 du matin, c'est très tard, ça. On n'admettra plus ça, là. Mais il nous a dit que c'était un animateur de radio. On ne connaissait pas. Rénal Mal, Gamin. C'est pas une étoile, l'étoile Gamin. Ah non, l'étoile Gagné. Rénal Gagné. Enfin, on a eu ce message-là, c'est en boîte vocale. On ne peut pas vous la diffuser parce qu'on a perdu l'animatrice qui devait faire jouer la boîte, en fait, l'accessoiriste. Yes, il faut la monter, puis on n'a pas pu. Et puis c'était, il cherchait son magnéto. Et là, à Montréal, on l'a cherché partout. À Trois-Rivières, on l'a cherché partout. À Chibougamau, on l'a cherché partout. Et on l'a trouvé à Québec. C'est normal, il m'a dit que l'émission se passait à Québec. Elle gisait, parce que c'est un magnéto. Il gisait, ben moi j'ai un peu de difficulté avec mon français, moi. Et c'est Claude Marnier. J'ai mon magnéto qui ne veut pas mourir et c'est la raison de la vie. Et depuis que j'ai le jour où tu vas sourire, j'ai le magnéto qui ne veut pas mourir. Oui! Il est heureux. Hey, t'es heureux, toi, hein? Oui! Oh. Hey, t'as sorti de Woodstock avec toutes tes cellules, toi? Oui! Oh.
La pile à terre, mais toutes ses cellules. Oui! Oh, t'as-tu vu ça, toi? Comment il s'appelait, donc? Jamie. Il gémissait, lui, avant de jouer. Ton, ton, te faisait. On se demandait s'il passait la tronçonneuse batteuse sur sa tête, là. Jamie Briggs, tu l'as déjà entendu, Jamie Briggs à Woodstock? Oui! Ah! Tu t'en souviens de ça, de ce passage-là? Oui! Ah! Puis Joe Barber, hein? Ah! On dirait qu'il était élastique. Il s'est tiré le corps de tous les ans. Oui! Ah, oh, hein, oui! Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques. Mesdames les voluptés. Et alors donc, nous l'avons retrouvé. Hein? Merci à notre détective privé qui l'a ramassé. Il l'a ramassé, ça ne le dérange pas si je dis ça? Oui! Oui, OK, excuse-moi. On t'a cueilli, hein, c'est comme ça, cueilli. Oui. Oui, on t'a cueilli sur le sol. Oui. Tu roulais partout, hein, t'étais comme heureux. Mais ça semblait bizarre, étrange. En même temps, l'émission que tu avec elle, l'accessoire dans lequel tu... T'es, parce que t'es un accessoire dans cette émission-là, là, Errance Rénale. Oui. Ben oui. T'étais quand même déjà un peu atteint, là. Oui. Hein? Là, j'espère que tu vas pas t'éteindre, toi, là. Oui. Oui, bon, OK, parfait. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, qui? Monsieur les patrons catholiques, oh, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. J'espère que les gens savent pas que tu étais à Errance Rénaldienne. Non, ils savent pas. On leur a pas dit encore, là. Ils sont encore... Ils cherchent, ils s'intonisent. Ils ont les doigts sclérosés. C'est quoi ça? Ça, c'est des doigts sclérosés. Eh, monsieur, t'es un bruiteur? Non, je suis un émetteur de bruit. Oh, à quoi bon faire cette émission si on ne sait pas la même chose? C'est synonyme. Synonyme. Synonyme! On va demander à synonyme, c'est vrai. Synonyme? Synonyme, t'es là, ma belle synonyme? Eh non. Non, OK. Si t'es pas là, ma synonyme, tu parles pas, là, hein? Allô, synonyme? Eh non. Non, non, OK. Comment ça, t'es pas dans le temps voulu, ma synonyme, parce que t'as pas le tempo digital? Eh non. OK. Non, on veut te taquiner parce qu'on sait que t'es une rigolote. Eh non. Non, OK. Synonyme? Eh non. Bon, c'est pas elle. On va raccrocher. Raccroche, raccroche, raccroche. C'est des frais virés. C'est des frais. On n'a pas d'argent. On n'a plus de modèle. Ah, bon, ça coûte cher, ça, là. On ne sait même pas d'où ça vient. Êtes-vous de Montréal? Eh non. De Belgique? Eh non. Non, elle n'a pas l'accent. De Suisse? Eh non. Quoi qu'en Suisse, il y a plein de monde. Hein? On ne sait pas. Hein? Êtes-vous dans une banque suisse? Eh non. OK. Êtes-vous dans la ville de Québec? Eh non. Bon, OK. Un peu, elle nulle part. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 2 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de voyage. Non, c'est Carnet de campagne. Oh, oui, c'est le film Carnet de voyage. Je voulais juste faire peur à Philippe. Il disait, le con! Philippe, c'est une blague. Le con! Philippe, voyons d'or! Ça, on peut pas blaguer. On peut pas blaguer. Un petit peu. Un petit peu à peine. Oui, un rictus. Ah oui, le rictus. Non, c'est pas bon, OK. Faut être sérieux dans la vie. Nous rencontrons un homme du service public. Un peu comme Radio-Canada, mais de l'autre côté. De l'autre côté de la piscine. Ben, la grosse piscine. La grosse piscine, on va la nommer Rita Bibelot. Non, j'ai pas dit ça, toi! J'ai dit la piscine en parlant du Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ah, Gisèle Saint-Laurent. Mais non, le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. Tu connais pas ça, le fleuve Saint-Laurent? Ben, Saint-Laurent, non. Saint-Laurent, non, ça va bien. Bon, vas-y, prends ton temps. Ah, ça va bien.
Alors, l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à Radio France en 1985. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive à France Inter en 1996. En juillet 2012, Érance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet humaniste des plus chaleureux. Un voyage chargé pour cette nuit automnale? Oui. Faut-il s'arrêter? Oui, monsieur, allez-y. Gênez-vous pas. On s'arrête ici? Ben, pas vraiment, là. On va faire écouter un petit peu de musique à monsieur, puis à madame, puis à mademoiselle, puis pas aux enfants. À cette heure-là, les enfants font dodo. Ben, c'est, oui, effectivement. Sinon, c'est pas des bons parents. Alors, les bons parents, n'écoutent pas Érance Reynaldienne. CKRL.